Bonsoir à tous, bienvenue sur votre journal en français et ravi de vous retrouver en ce début d'aujourd'hui. Voici les titres. Le 8 novembre 2023, au Palais Royal, Sa Majesté le Roi Notre-Dame saint roi du Royaume du Cambodge, et Sa Majesté la Reine-Mère ont accordé une audience à une délégation française pour leur rendre une visite de courtoisie. Sa Majesté le Grand Rodin de roi du Royaume du Cambodge, et Sa Majesté la Reine-Mère de la Nation Khmer ont accordé une audience à M. Stéphane Ben, écrivain français, à M. Pierre Vincent, conseiller en matière de coopération et d'activité culturelle, et à Mme Francine Dojouval, experte du ministère européen et des affaires étrangères, pour le rendre visite de courtoisie au Palais Royal. À cette occasion, Sa Majesté le Roi, Sa Majesté la Reine Mère et la délégation française ont échangé des cadeaux de souvenirs. Monsieur Stéphane Bien a remis un beau livre et des souvenirs qui symbolent la France à Sa Majesté le Roi. Il a également remis des souvenirs sous forme de livres et de parfums au Centre parfumé de la Nation française à la Reine Mère. Sa Majesté le Roi l'a remis un objet en argent. Pente à la main par un sculpteur cambodgien de grand talent, mettant en valeur les magnifiques motifs floraux de l'ancienne tradition khmère, ainsi qu'un livre documentaire sur le palais royal du Cambodge. Madame Francine Dojoual reçoit un plateau d'argent décoré de fines sculptures traditionnelles khmères qui montrent la richesse de la culture, de l'art et des traditions khmères. Monsieur Stéphane Bien, a également reçu une pièce de monnaie avec le nom et la photo de sa majesté le grand Rodam Seyhanouk, roi père de la nation Khmer, Préboram Rotanakaut, à l'occasion du 70e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale, 9 novembre 1953, 9 novembre 2023, et le livre sur la biographie et les ouvrages historiques du roi père, Pour son accomplissement de la croisade royale pour conquérir l'indépendance nationale. Madame Francine de Jouval a pour sa part reçu un livre sur les événements historiques de toute la vie de Sa Majesté la Reine Mère du Cambodge qui a servi le pays dans tous les domaines. S'exprimant à cette occasion, Sa Majesté le Roi et Sa Majesté la Reine Mère du Cambodge ont le plaisir d'accueillir la délégation française pour cette première visite au Royaume du Cambodge pendant six jours à partir du 4 au 9 novembre 2023. Monsieur Stéphane Bern a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi et Sa Majesté la Reine-Mère pour avoir accordé cette audience. Monsieur Stéphane Bern a présenté le roi et la reine mère. Le bout de sa visite au Cambodge est pour faire son projet de rédaction d'un reportage pour le magazine Paris Mas, un hebdomadaire d'information française. Sa mission au royaume visait à sensibiliser le public sur les sujets liés au patrimoine et à la culture. Au Palais de la Paix, Son Excellence vice-premier ministre et président, de l'autorité nationale de lutte contre les drogues a accordé une audience à son excellence Patrick Maffi, ambassadeur des États-Unis au Cambodge, pour une visite de courtoisie et discuter du travail. Le renforcement de la sécurité et le renforcement des relations sont les thèmes de la discussion entre Son Excellence Nelsavun, vice-premier ministre et président de l'Autorité nationale de lutte contre les drogues, et son excellence Patrick Murphy, ambassadeur des États-Unis au Cambodge. Son Excellence Patrick Murphy a exprimé son appréciation et son évaluation pour les efforts déployés dans le passé pour protéger la sécurité, l'autre et la sûreté sous la commandement direct du vice-premier ministre Son Excellence Ned Savun lorsqu'il était commissaire de la police nationale, en particulier la défense, dans des événements importants, la participation du président américain à la réunion au Cambodge. Son Excellence Patrick Murphy a demandé au Vice-Premier ministre Ned Savurn de continuer à soutenir le groupe de travail Task Force qui a été créé conjointement entre la Commission générale de la police nationale et le FBI des États-Unis. En réponse, Son Excellence Ned Savurn a pleinement accepté à la demande de l'ambassadeur américain et a demandé à la partie américaine de continuer à contribuer à la formation des officiers professionnels et des officiers techniques, ainsi qu'au matériel servant si à la lutte contre la criminalité, à toutes sortes de crimes transnationaux, au terrorisme et aux infractions liées aux drogues, etc. Le ministère de l'Intérieur et les autres responsables des Nations Unies poursuivent le mécanisme visant à promouvoir le bien-être de la population et les droits des enfants au Cambodge. Dans une rencontre avec Madame Anne-Marie Skelton, présidente du Comité des droits de l'enfance des Nations Unies, et Dr. Vilpak, directeur pays de l'UNICEF pour le Cambodge, sont laissés lancer un présentement de so vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a déclaré que le projet visant à améliorer les services sociaux dans l'administration infranationale et le projet de protection de l'enfance que l'UNICEF a mis en œuvre avec le ministère de l'Intérieur est un projet important pour améliorer le niveau de vie et le bien-être du peuple cambodgien, conformément à un troisième angle de la première phase de la stratégie du pentagone du gouvernement royal. Son Excellence à Présidente a souligné que le gouvernement royal et le ministère de l'Intérieur ont toujours prêté attention à la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant afin de protéger et de promouvoir les droits de l'enfant. À travers des politiques nationales et d'autres documents juridiques, ainsi que la coopération avec des partenariats concernés et des organisations de la société civile. Madame Anne-Marie Skelton, présidente du Comité des droits de l'enfance des Nations Unies, est d'accord au principe de son excellence, le vice-premier ministre, exprimant sa gratitude pour l'attention du gouvernement royal du Cambodge et du ministère de l'Intérieur dans leurs efforts pour renforcer la protection des enfants ainsi que de continuer à se concentrer sur les réformes de décentralisation et de déconcentration. Son Excellence le, le Vice Premier Ministre Antimondey Alunisef de continuer à soutenir les projets en cours avec le ministère Khdlang Terayer pour continuer à améliorer le bien-être des Cambodgiens en particulier des enfants vulnérables. et de continuer à soutenir le gouvernement royal du Cambodge dans la lutte contre la traite des enfants, et continuer à contribuer au renforcement des capacités des officiers professionnels du ministère de l'Intérieur par le biais de formations visant à accroître les capacités en fonction des évolutions technologiques actuelles. En réponse à cette demande, Dr. Vilpak, directeur pays de l'UNICEF pour le Cambodge, s'engage à continuer à soutenir une formation des autres compétences techniques. Son Excellence Thierry Van ministre des Postes et Télécommunications, a fait donc de 150 ordinateurs à l'Université de la Défense Nationale pour la formation des étudiants en technologie de l'information militaire. 150 ordinateurs et 150 pères de bureau et et un laboratoire ICT Lab, dont le ministère des Postes et Télécommunications, ont été remis à l'Université de la Défense Nationale sous la présidence de son excellence Thierry ministre des Postes et Télécommunications, et son excellence professeur général Thierry Dara, rector de l'Université de la Défense Nationale. Son Excellence l'administrative en a déclaré que ces matériels répondent aux besoins de l'Université de la Défense Nationale afin de promouvoir le travail de formation des étudiants militaires en informatique. Profitant de cette occasion, Son Excellence le Professeur Général Dara, a remercié Son Excellence le ministre pour sa participation au développement des ressources humaines au Cambodge, notamment dans les compétences militaires en informatique, contribuant à la construction d'un gouvernement numérique conformément à la première phase de la stratégie du Pentagone du gouvernement royal. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve à nouveau demain avec beaucoup de plaisir et c'est ensuite au programme sur TVK.